Plus d'un milliard de personnes sont allergiques à travers le monde, un chiffre en hausse tous les ans. Avec ses plus de 1000 collaborateurs, Stallergène Greer, laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans l'immunothérapie allergénique, appelé communément désensibilisation, est le laboratoire avec un savoir-faire historique français. Une personne sur deux dans le monde pourrait souffrir d'allergie en 2050, avec notamment un risque accru de développer de l'asthme. Notre laboratoire est un groupe international historiquement implanté en France depuis 60 ans avec deux sites de production totalement intégrés. L'un pour la matière première, l'autre pour la production, le développement et la distribution. Nos innovations, comme le développement du premier outil d'administration connecté en immunothérapie allergénique, sont elles aussi élaborées en France. Puiser dans la nature et investir dans l'innovation, Stallergène Greer mise sur la médecine de précision. Nous disposons d'une gamme très large d'allergènes préparés à partir de pollen, de graminées, d'acariens, de veines d'insectes, etc. Ce sont des produits biologiques complexes dont la préparation fait appel à des technologies de pointe qui nous permettent de livrer à chaque patient des traitements personnalisés car chaque patient est unique. Pour Stallergène Greer, l'enjeu est de repousser sans cesse les limites de la connaissance scientifique pour exploiter pleinement le potentiel de la médecine de précision. Si l'on considère que l'augmentation de la prévalence des allergies est associée aussi à la pollution de l'environnement, l'innovation aura un rôle fondamental à jouer dans l'avenir de ce domaine thérapeutique. Je pense par exemple aux nouvelles avancées en matière d'administration des traitements comme l'ARN messager, aux anticorps ou encore aux recherches en cours sur les allergies alimentaires.